sima mi mende we ya mangia tomo silo wa pesomba unya bomo mende po wina mi sima mi mende we ya mangia tomo silo wa pesomba. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège que tu nous as donné, la grâce d'être ici et d'avoir la vie. Merci pour nos bien-aimés de Ngonda Sawa au Canada qui ont bien voulu d'être avec nous cet après-midi et nous offrir tous ces dons pour le bien-être des enfants. Nous te disons merci
Nous te recommandons ce service entre tes mains afin que tu nous accompagnes du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Ngonda sawa au Canada. Tobo la plate, il me s'est bien dit à la masoma. Onyola. Mama de amena lowane no. Bambana. Banywe. La plate, il me s'est. Peut-être bien dit à la masoma. Onyona. Longel emboa sawa. Nde tobo ninya. Orphelina. Rakis. Odi bombadi. Loba a nam se biobe sebena le wo lo mongele mboa. Loba te pete bo la ne kala kwa la mbiona di so. Nyana moto nyana kwa le na a so. A ben pete nyongi. Don la tim se bion jwa so ma so ma na papa loba nubo e bion de di. Na lo ongele bi so. A ba te pete bion nywa so. Loba a nam se bion. Qu'est-ce que je disais? J'étais en train de dire merci. L'association Ngonda Sawa au Canada, tous ces jeunes qui ont bien voulu apporter ces dons pour le bien-être des enfants de l'orphelinat Roakis, nous vous disons grandement merci que le Dieu Tout-Puissant qui vous a donné cette grâce de penser à ces enfants, à ces couches défavorisées, que le Seigneur vous redonne tout cela en abondance, qu'il vous bénisse davantage, parce que quelqu'un peut avoir assez et ne pas penser à une personne qui souffre. Et chaque fois que tu le fais, le Seigneur a dit qu'il rend service, tu le rends service, parce que tu as pensé à une personne qui n'en a pas. Nous vous remercions et chaque fois que nous disons merci, nous voulons encore. Et que le Seigneur vous bénisse. À tantôt. Merci. Je ne me suis pas présentée. Je suis Madame Kouo Anet Désiré. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons... Monsieur Mpondo. Oui, le représentant de Monsieur Mpondo. Acclamé. À la place de Monsieur Aimé. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moi, c'est Monsieur Wandi Sakep. Je suis l'envoyé de M. Mpondo Jean-Michel, qui est le président de l'unité régionale de Ngonda Sawa à Toronto. Donc, il m'a envoyé vous remettre ces paquets pour vous encourager, vous, personnellement, pour le travail que vous menez pour les enfants qui sont délaissés. Et vous faire comprendre qu'il ne vous oublie pas, il pense à vous. Je pense que c'est une première et ce ne sera pas une dernière. Et que Dieu nous donne longue vie, beaucoup de force. Et je remercie également le Seigneur pour la force qui m'a... Parce que ce n'est pas facile pour envoyer tout ça ici, là. Donc, c'est nous qui vous disons merci. Parce que c'est vous, au quotidien, qui vous occupez de ces enfants. Nous, on va venir déposer ça, on va partir. Mais c'est vous, les responsables de ces enfants. Et pour ça, nous vous disons merci. Grandement merci. Je vous remercie. Merci. Nous voulons reconnaître la présence du délégué de l'arrondissement de la promotion de la femme et la famille ici à Kanepoué, Madame Tibokwe, qui est là. J'ai dit d'abord merci à Ngonda Sawa du Canada qui a pensé vraiment à ses enfants. Nous avons une très lourde charge à travers ses enfants. Donc, je suis du ministère de la promotion de la femme et de la famille, mais je travaille en collaboration avec les affaires sociales. Donc, nous disons grandement merci. Nous, on pensait que quand vous êtes là-bas, vraiment, vous ne pensez pas au pays, mais ça va tout droit au cœur. Je suis très content de voir que nos jeunes de la diaspora, vraiment, aiment leur pays. Parce que si tu n'aimes pas le pays, tu ne peux pas apporter un plus pour nous aider. Je vous dis encore merci. Comme la directrice a dit tout à l'heure, qui dit merci veut encore. Donc que le Seigneur vous bénisse, ce Seigneur qui vous a amené, qui vous raccompagne et que vous allez donc dire tout ce que vous avez vu chez nous. Merci encore pour la dernière. La grande dame aussi qui est toujours là, accompagnée.
c'est le chef du centre des affaires sociales, donc l'arrondissement de Dibombaï et l'arrondissement d'Abo, donc à Bounaléa, à Mangama. Ok, merci à tous ceux qui sont là et à Ngondo Sawa du Canada qui a apporté le don. C'est un immense plaisir de voir des gestes sociaux pareils. Et nous pensons, comme d'autres l'ont dit, parce que je crois que tous ont déjà tout dit, je saurais me répéter, que ça ne sera pas la dernière, que c'est un commencement et qu'on a du chemin à faire. Parce que ces enfants, comme vous voyez, ce sont des enfants de la nation qui ont également besoin de soutien extérieur, parce que à eux seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont certes la volonté d'encadrer, mais également il faut des accompagnateurs comme Ngondo Sawa. Et nous espérons que nous nous reverrons très bientôt, peut-être avec un plus grand, voilà, staff. Voilà, avec un plus grand staff pour pouvoir accompagner ces enfants. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et nous disons longue vie à ce groupe de Toronto au Canada. Et vive également notre pays qui vit dans la paix. Merci beaucoup. Parce que nous savons que le Cameroun, c'est un pays de paix. Et nous savons que, étant donné qu'ils sont la diaspora là-bas, ils continuent à établir la paix de ce côté-là. Merci beaucoup. Nous continuons donc le programme avec la remise de dons. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Au nom des enfants de l'orphelinat de Dibombaï, nous remercions l'association de Ngondo Sawa du Canada d'avoir pensé à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs. Je m'appelle Joël. Et on fait d'abord la prière 5. Lorsque j'élève ma voix, on sort pour faire nos travaux domestiques. Après avoir fini nos travaux domestiques, on se brosse les dents. On se lave, on s'habille. Puis on prend le petit déjeuner. Et on part à l'école. Après le retour de l'école, on mange notre repas. Et après le repas, s'il y a un petit travail à faire, on fait. Après le petit travail à faire, on prend nos cahiers après. Après, on prend nos cahiers, on apprend de 17h à 19h. Après avoir fini de lire nos cahiers, on mange le repas du soir. Après avoir fini de manger, on prie la prière du soir. Et quand on finit de prier, on passe au coucher. Babi. Babi. Tu t'appelles comment? Babi. Dis Babi. Dis Babi. Et donc, Angèle. Tu t'appelles Babi. Avec David. Avec Angèle. Babi, tu es là-bas. Comme mal. Allez, film. Gloria. Elle m'a lèvé la main. Laisse ta main. Moi, je parle. Léwata. Je vais faire des choses.
Elle va se demander. Elle dit que c'est un pasteur. Et c'est vrai. Et revenu. Ma femme. Une vieille. Lorsque j'élève ma voix travers l'univers. Toi, tu vas faire quoi? Soudain. Soudain. Pour chanter les souffrances de la terre. Toi tu vas faire quoi? Pour les enfants la couture. Qui n'ont pas de toi tu vas faire quoi? Je chante hein? Pour les amours. Toi tu dis que tu savais quoi? Nous qui avons connu. Nous vous remercions de vos dons que vous avez voulu donner en cette année à ces enfants. Rejure le cœur de ces enfants. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et nous souhaitons que vous veniez toujours rejouir le cœur de ces enfants. Et lorsque j'élève ma voix, c'est le pasteur Charles Cour, le promoteur, le fondateur de Royal Kids. Aïe, bye bye. Merci. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus.
si wo be so wa mo tele na oke une essence un cri une douleur un bruit, un cœur très doux ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit pas de m'étonner. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, des visages et des souris. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi.